Hello, my friends. I'm happy to see you again for this test drive of the new Bentley Bentayga. Je suis en VO ou en VF, là, les gars? Merde, j'étais en VO. Je recommence en VF. Salut tout le monde et bienvenue à l'essai de ce nouveau bébé, la version 2022 du Bentley Bentayga hybride. Hybride rechargeable, qui donc est capable de rouler en 100% électrique. On va voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti, je vous emmène. Regardez-moi cette face avant. Franchement, c'est massif, c'est plutôt distingué. Et ça, c'est un avis vraiment perso. J'aime vraiment, vraiment les finitions des Bentley avec des chromes. Il existe dans le catalogue des packs, des black packs, pour avoir justement beaucoup, beaucoup moins de chrome et tout ça en noir mat, ou noir brillant d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien les chromes sur une Bentley, d'autant plus associé à cette couleur. Alors, je vais m'approcher pour vous faire voir ici. Vous voyez, c'est pailleté. Et là, alors, c'est le cricket ball red, le rouge de la balle de cricket. Alors, perso, je joue pas au cricket, je les crois sur parole, mais en fait, ça donne une espèce de bordeaux qui tire vers le marron. Et encore une fois, avec les chromes, je trouve ça superbe. Alors, on va continuer le tour extérieur. Depuis le précédent facelift, les feux ici ont été étirés sur les côtés. C'est marrant parce que du coup, la voiture paraît plus large alors qu'elle ne l'est pas. Elle fait toujours son 2,01 m. Mais du coup, la forme des feux, poussée au maximum sur les ailes, lui donne encore plus de prestance. Toujours dans les petits détails chromés. Ici, regardez, c'est bien un B de Bentley sur cette grille d'aération. Je dirais même un flying B avec les ailes derrière. C'est très design. Pour la version d'essai, on a des jantes spécifiques, des Mulliner, 22 pouces. Ça remplit bien les arches de roue. C'est une hybride, c'est marqué dessus. Je vais prendre du recul pour vous montrer. Il faut vraiment que je recule. Hein. La ligne de caisse. Ce que j'aime bien dans cette ligne de caisse, c'est qu'elle souligne l'appartenance à la famille Bentley. Regardez. Hop là, ici. On part du phare. Et ici, l'aile arrière. Découpé ici, là. En fait, on remarque qu'on a la même ligne de caisse que sur une Continental ou une Flying Spur. C'est fait exprès, c'est vraiment pour montrer l'appartenance à une famille et donc on a une cohérence dans la gamme. Cohérence d'autant plus visible qu'à l'arrière, depuis le facelift, les feux ont été changés et aujourd'hui, on a ces feux de forme ovale. C'est pareil, qui s'étirent un peu sur l'aile arrière, qui sont, je dirais maintenant, la nouvelle signature de toutes les Bentley. Sous le capot avant, un moteur V6 essence 3 litres biturbo de 340 chevaux. Bon, là, il est tout caché par ici ce plastique. Et puis à l'arrière, ici dans le coffre, là-dessous, vous avez les batteries, 17,3 kW de batterie, ce qui nous amène une puissance supplémentaire de 128 chevaux. Je vous laisse faire l'addition, 340 chevaux essence plus 128 chevaux électriques, ça fait combien? Eh bien, vous calculerez. Esthétiquement parlant, c'est quand même une voiture très massive. Alors là, j'ai pas d'autres voitures à côté pour comparer, mais je peux vous dire que par exemple, hier, j'étais garé à côté d'un autre SUV, il était tout petit. Pourquoi? Parce que déjà, regardez la taille ici, la voiture fait 5,12 m. On est au-delà des 5 mètres, on est dans la catégorie des limousines. Et je peux vous dire qu'on est vraiment bien installé à l'intérieur. En termes de largeur, on est à 2,01 m, sans les rétros. Quand on va se garer avec, eh bien heureusement qu'on a des caméras partout et des capteurs dans tous les sens. Pour continuer
de parler de volume, eh bien, au niveau du coffre, on aura un coffre généreux, mais moins important que dans une version complètement thermique. Un coffre de 480 litres. On est dans une Bentley, et moi ce que j'aime, c'est les petits détails. Comme regardez par exemple, ici, eh bien on a du cuir jusqu'ici en fait. Bien souvent dans les voitures, au niveau des charnières d'ouverture, bah, on va le dire, c'est plutôt moche. Et bien ici, c'est beau, c'est en cuir. Ils vont même jusqu'à mettre des petits boutons chromés là, pour attacher la plage arrière. Encore une fois, habituellement, on a plutôt des petits boutons en plastique moche. Et bien là, en fait, chez Bentley, on va vraiment soigner l'esthétique partout, à tous les niveaux. Et bah, c'est plutôt agréable. Chez Bentley, ils ne font pas les choses à moitié. Et ils ne proposent pas un, mais deux Bentley Bentayga hybrides, deux configs totalement différentes, une plutôt chic et une autre plutôt sport. A vous de choisir, je vous laisse en compagnie de Cyril, l'heureux chanceux de vous présenter leurs spécificités. Je vous l'ai déjà dit, quand je vous présente une Bentley, c'est toujours une joie, parce que en fait, chez Bentley, même si c'est le même modèle, il y a toujours des couleurs, il y a toujours des options, il y a toujours des configurations différentes, parfois complètement folles. Et là, j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'avoir une deuxième version de ce Bentayga que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit toujours de la version hybride avec son V6 et son hybridation PHEV, donc hybride rechargeable, avec un total de 450 chevaux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de vous présenter la config. Vous voyez, radicalement différente de la précédente en Bordeaux. Beaucoup plus sobre. On a le pack Blackline. Le pack Blackline, ça veut dire que on n'a pas de chrome. Les magnifiques feux diamantés sont cerclés de noir. La calandre est noire. C'est pas du noir mat plastique, hein. On est bien sûr du noir piano black, donc du noir brillant. Et elle dispose également des jantes noires de 22 pouces. Je vais en faire le tour pour vous montrer justement tous les petits détails. Ce design avec ce B ici, même le logo hybride est noir. Les entourages de fenêtres. Les barres sur le toit. Vous voyez ici aussi, cerclé. C'est vrai qu'elle a mis du mascara en fait. Complètement noir. Alors maintenant parlons de la couleur. Cette fameuse couleur du catalogue Mulliner, c'est ce qu'ils appellent Breeze. Breeze comme respirer. Mais en fait, si on regarde, j'essaie de vous trouver en fait un éclairage qui montre bien les nuances. C'est compliqué. En fait, en vrai, elle est grise, mais avec des reflets verts. J'espère que ça ressort bien. Vous voyez. Et suivant les angles et suivant la lumière, en fait, la voiture va être plutôt vert d'eau, voire verte, voire grise. C'est absolument magnifique. C'est une peinture tout en nuances. Je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien parce que ça l'affine quelque part. Et puis, vous allez voir la config intérieure. Eh bien, c'est encore une fois un accord parfait. Allez, on passe à l'intérieur. Le luxe, ça se cache aussi dans les détails. Détails de la clé qui est dans cette petite pochette en cuir de la même couleur eh bien, que l'intérieur de la voiture, le Imperial Blue. Eh bien, c'est ça aussi le luxe, hein. C'est le souci du détail. Regardez-moi la qualité de la sellerie, c'est hallucinant. Les appuis-têtes ont des oreilles, de manière à se caler vraiment bien. Regardez, on a des petits joncs chromés, là où chez beaucoup on a du simple plastique. On a le dessin ici, avec les fameux losanges, qui sont matelassés, vous voyez, quand j'appuie dessus. Bien sûr, le Flying B.
le cuir qui est perforé parce qu'on a une ventilation dans les sièges. C'est vraiment, vraiment du très, très haut de gamme. Regardez au niveau des réglages. Bon, en gros, on a toutes les positions possibles et toujours ce petit bouton magique, le massage. Découvrir l'intérieur d'une Bentley, c'est toujours en fait un lot de surprises. Pourquoi ? Parce que c'est tellement paramétrable, configurable en termes de couleurs, de matériaux, etc., etc. Les possibilités sont quasi infinies. Que rentrer dans une Bentley, c'est à chaque fois une nouvelle surprise. Et ici, on a été servi. Pourquoi ? Parce qu'on a un intérieur avec des plaquages carbone, ce qui n'est pas courant, on a souvent du bois, et avec deux couleurs de cuir. Cette couleur un petit peu bordeaux, qui s'appelle, encore une fois, Cricket Ball. Et cette couleur, un peu beige, qui s'appelle la couleur, tout simplement, lin. Et regardez, l'habillage de cuir, en fait, il est partout, 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 y compris jusqu'au toit. Alors là, j'ai un toit panoramique. Mais regardez, c'est incroyable, en fait. Tout ça, c'est du cuir. Il y a des touches aussi, vous voyez, de chrome, des baguettes chromées. Ici, à l'arrière, un petit porte-manteau chromé. On retrouve également quelques codes de la marque, comme par exemple l'horloge centrale. Et si vous regardez bien, elle est entourée par deux grilles d'aération qui sont en forme de B. Eh oui, souci du détail. Ai-je besoin de vous préciser que là, on est sur du vrai carbone. On n'est pas comme souvent sur des inserts coloris carbone. Tout ça, c'est du vrai cuir. Regardez qui s'étend jusque tout derrière, là-bas, sur la planche de bord. On a le subwoofer derrière. Le volant aussi est magnifique. Avec, évidemment, l'emblème au milieu. Et à gauche, ce qui va nous permettre de contrôler eh bien, l'affichage. Et ici à droite, toute la partie radio-téléphone. J'essaie de vous faire un plan également en bas, parce que regardez, même les pédales sont jolies. Et le frein est siglé du B. Sur la console centrale, donc là encore, cuir et carbone. Regardez ce petit bouton ici, eh oui. C'est le contrôle de descente parce qu'on est dans un vrai 4x4 et donc on peut emmener ce Bentayga en off-road. Bon, je ne sais pas si beaucoup le feront, mais c'est possible. Ici, les différents modes de conduite. Alors ça va du sport au personnalisable. En fait, pour les avoir tous essayés, moi je reste en B, en Bentley. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est pour moi la meilleure optimisation entre sport, confort, et sur cette version hybride, efficience. Ça va gérer en fait la partie électrique, thermique et la batterie. Le pommeau de levier de vitesse, chrome, cuir. Et parce que c'est une voiture moderne, en dessous ici, vous avez la plaque pour recharger vos téléphones par induction. Le luxe, ce sont tous ces petits détails qui vous améliorent la vie et le confort. Et chez Bentley, il y a des petits détails que j'apprécie tout particulièrement. Regardez, oui, c'est mon genou, mais surtout ici, là, vous voyez, j'ai un petit coussin cuir qui me permet, quand je conduis, eh bien, de poser confortablement mon genou dans quasiment toutes les voitures. À cette partie-là, à ce niveau-là, on a des machins en plastoc qui souvent vous rentrent dans la peau, qui vous font mal. Et maintenant, chez Bentley, on a un petit coussin très confortable, et ce qui permet encore une fois d'aborder les longs trajets en toute sérénité. Côté passager, au même endroit, vous trouverez un espace de rangement. On raconte que la meilleure place dans une Bentley, c'est à l'arrière.
Eh bien, ici, encore une fois, bah, c'est plutôt vrai. Pourquoi ? Parce que regardez l'espace que j'ai. Encore une fois, hein, je ne suis pas un petit gabarit, hein, mais quand même, on est plutôt pas mal. L'espace aux jambes, bon, bah, j'ai 15 cm devant les genoux. J'ai un écran qui permet de paramétrer pas mal de choses, que ce soit la ventilation des sièges, le chauffage des sièges, la musique à l'avant. Je peux aussi piloter le toit. Parce que face à moi, j'ai un dossier de siège qui est magnifique, avec ce cuir ici, couleur lin, mélangé avec ce Bordeaux Cricket Ball. Définition chromée. Ici, on a le carbone qui est présent partout. Petit rideau par soleil. La tablette. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans une Bentley, encore, c'est les finitions, vous voyez. Ici, on n'a pas des charnières en plastique moche. Non, non, c'est bien fait. C'est de l'aluminium poli. C'est juste magnifique. Bon, bah, je crois qu'on est prêt à voyager, y compris à l'arrière de ce Bentayga. Il faut savoir que ce Bentley Bentayga Hybrid est le plus abordable des Bentley. Ça paraît fou, mais oui, ça reste le moins cher des Bentley. Alors il faut quand même regarder dans le viseur. Et dans le viseur, en termes de concurrents, il n'y a pas vraiment grand monde. Il faudra baisser d'un cran en termes de prestations et surtout quelques dizaines de milliers d'euros pour s'offrir le Porsche Cayenne hybride de 462 chevaux à partir de 96 300 euros. Ou bien encore, on baisse un peu d'un cran et on pourra s'offrir pour 96 000 euros un Audi Q8 hybride qui reprend la même plateforme et le même moteur Volkswagen. On prend la route, toujours avec Cyril au volant de ce Bentayga hybride, le plus abordable des Bentley, je vous le rappelle. C'est assez marrant de voir la gestion de l'hybridation. Là, je suis en thermique, je vais ralentir un peu. Et vous allez voir que, hop, ça y est, le moteur thermique s'est éteint. Donc là, en fait, je suis sur l'inertie de la voiture. Ça tombe bien, elle pèse lourd. Hein, 2 tonnes 6, ça me donne pas mal d'inertie. Donc, quand on anticipe les freinages, par exemple, même ici sur National, eh bien, ça permet d'économiser. Et puis même, d'ailleurs, si je ralentis encore un peu plus, de recharger. Et puis, quand je veux relancer, eh bien, vous voyez, là, c'est l'électrique qui est parti. Et boum, qui va lancer le thermique, en fait. Ce qui permet justement dans ces phases d'accélération de soulager le thermique et encore une fois de faire des économies d'essence. Il est l'heure du petit point hybridation-consommation. Alors oui, ce Bentayga est capable de rouler 100% électrique pendant une quarantaine de kilomètres. Mais au bout de ces 40 kilomètres, qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez, j'ai plus d'autonomie en pure électrique. Mais, il y a quand même des ressources électriques. Je suis en mode de conduite Bentley, qui est pour moi le mode d'optimisation maximum de l'hybridation de la voiture. Et donc, en roulant, en freinant avec les phases de décélération, etc., j'ai pu quand même recharger un minimum de batterie pour pouvoir toujours fonctionner à l'hybride. Et là, par exemple, je vais partir. Là, pour l'instant, je suis arrêté. Et en fait, regardez, ça va être tout vert. Pourquoi ? Parce que quand je pars, ben en fait, je pars à l'électrique. Vous voyez ? Je vais vous le montrer sur le compteur. Vous le voyez ici, en bas à gauche. Je suis intégralement en vert. Donc, ça veut dire que là, je suis en train de rouler en 100% électrique. Et puis, quand je vais accélérer un peu plus, quand je vais avoir besoin d'un peu plus de puissance, eh bien là, l'intérêt pour cette voiture qui est très lourde, hein, 2 tonnes 6, c'est que le moteur électrique va lancer mon moteur thermique. Et en fait, le passage va être instantané et sans aucun à-coup. À la limite de l'électrique, et tac, le thermique s'est mis en route. Encore une fois, aucun à-coup, rien du tout. Et là, on est passé en orange. Regardez ici, la décélération, voire le freinage, recharge ma batterie. Vous voyez, les flèches, là, vont vers la batterie. Et à nouveau, quand je vais vouloir un petit peu d'accélération, là, les flèches partent dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je suis au moteur électrique pur et dur. J'avance en électrique. Et encore une fois, si je le souhaite, j'accélère un peu plus. Et hop, le thermique se met en route.
Au moment de la recharge, les amis, alors hein, même si on a une petite batterie, eh ben, souvent les bornes de recharge sont prises. Et puis voilà, il y a des gens qui essayent de vous piquer le truc. Et... Ah, il est là. Je vous montre simplement. C'est assez drôle. On a côte à côte Florian, que vous connaissez, qui a choisi un Q8 et moi qui ai choisi un Bentayga. Mais en fin de compte, on a les mêmes moteurs. On a les mêmes puissances. Bref, on a deux sœurs qui n'ont pas forcément la même config, qui n'ont pas forcément le même public, mais quand même deux sœurs ben en fait, qui sont assez désirables. Je viens de brancher le Bentayga sur une borne urbaine, on va dire. Et regardez le temps de charge ici, c'est 1h50 de mémoire. La borne, c'est une 22 kW max. Bon, ça veut dire que soit je reste ici pendant 1h50, soit je vais aller me promener. Tiens, je vais aller passer un petit coup d'aspiro. J'ai démarré la voiture et regardez, je suis en autonomie électrique zéro. J'ai mangé toute ma batterie. Cependant, ce qui est drôle, c'est que j'ai encore un petit chouï de réserve qui me permet de démarrer en électrique. Vous voyez, si j'avance là, en fait... Je suis quand même en électrique. En termes de conso, j'ai utilisé la voiture avec le mode hybride, donc qui va se servir de la batterie pour soulager le moteur thermique. Hein. J'étais pas en pure électrique. Et là, regardez, sur le trajet d'hier, en fait, j'étais à 4 litres au 100. Et sur une moyenne de 150 km environ, je suis à 6 litres 4. C'est quand même assez exceptionnel pour le volume et le poids de l'engin. Derrière le volant, un écran complètement digital de 12,3 pouces. Le mode d'affichage. Et ici, à gauche, vous avez l'écran. Et ça, c'est donc nouveau, puisque c'est propre à la version hybride. Vous avez ici l'utilisation du moteur électrique. C'est-à-dire que quand vous êtes en full électrique, ici, ça va être en vert. Et puis... la régénération, par exemple au freinage, vous avez l'aiguille qui va descendre ici pour dire que vous êtes en train de régénérer la batterie. À partir de zéro, c'est le contour du moteur thermique, je vous le rappelle, un V6 biturbo de 340 chevaux. Il me semble vraiment intéressant dans cette hybridation, c'est que le moteur électrique, 128 chevaux, est placé au niveau de la transmission. Donc ça veut dire que avec... c'est, on va dire, les 40 km d'autonomie en tout électrique, eh bien, en fait, on peut faire du tout-terrain en tout électrique. La partie off-road du Bentayga est très bien sur le papier. Bon, je doute que ce soit le déclencheur d'achat ce qui fasse signer le bon de commande d'un Bentayga, mais pour aller rejoindre son manoir à travers champs, ça, c'est plutôt intéressant. La voiture est particulièrement confortable. On est sur un tapis volant, les suspensions hydrauliques font un boulot absolument fabuleux. Et pour vous le prouver, regardez, je vais aller sur cette route qui fait 2 km, qui est vraiment pourrie, hein. C'est d'ailleurs indiqué, hein, chaussée déformée. Il y a des trous, des bosses, bref, c'est du grand n'importe quoi. Et vous allez voir, enfin surtout vous allez écouter, je vais me taire d'ailleurs. En fait, ça bouge quasiment pas. Je peux vous garantir qu'il y a des trous. Hein. Regardez la voiture, elle est droite, c'est un tapis volant. Je ne sais pas si vous voyez les trous dans la chaussée là, mais là je viens de passer deux gros trous et la voiture filtre, mais comme j'ai rarement vu, encore une fois, dans une autre voiture. Bon, on va croiser une camionnette. Alors, comme j'ai pas envie d'abîmer la voiture, on va lui laisser la priorité. Voilà. Parce que dans une Bentley, on est un gentleman driver et on laisse passer de manière à profiter ensuite tranquillement de la route. Alors vous voyez là, je suis reparti en mode électrique et on est dans un confort et un silence de roulement absolument incroyable.
C'est une voiture qui prend soin de nous, en fait. Je pense que c'est ça, le luxe. Parlons sensation de conduite. Ce Bentayga est très facile à conduire, très simple. Grâce principalement à sa puissance et à sa boîte, en fait, il est... je vais utiliser un mot bizarre, mais il est léger. Il est hyper maniable. Alors, hyper maniable, oui et non, quand même, parce que le rayon de braquage est pas terrible. Pour faire des manœuvres, parfois, c'est compliqué. Si on additionne à ça la longueur de plus de 5,10 m, les petites places de parking ne sont pas mes amis. Mais bon, hormis ça, le volume, finalement, est pas gênant. Et le poids non plus, parce que il y a eu un gros travail de fait sur le couple électrique et thermique, et du coup il est assez agile. J'irai pas jusqu'à dire sportif, même s'il a plus de 400 chevaux, c'est pas une voiture de sport, j'emmènerai pas sur un circuit, mais par contre on a quand même des accélérations très franches, on a quand même des bonnes sensations de conduite. C'est surtout par contre la consommation là qui en thermique va nous calmer bien vite, puisque là on sera au-delà des 20 litres, et c'est pas le but recherché, notamment sur une hybride. En fait, la puissance, elle va nous servir vraiment à voyager en souplesse, en confort, à pouvoir doubler sans se poser la question, et toujours avec cette souplesse. Il n'y a pas d'à-coup, hein, c'est un biturbo, donc du coup le couple est réparti de manière plus linéaire. Le châssis, c'est un châssis de Bentley, ça veut dire qu'on a un confort de très 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 haut de gamme, tout est filtré, on sent quasiment rien de la route. Alors quand on se met en mode sport, la voiture se rabaisse un petit peu, ce qui permet d'aborder les courbes également de manière un peu plus dynamique, mais encore une fois, c'est pas fait pour ça. Pour moi, c'est plus vraiment une voiture de voyage au long cours. C'est une voiture qui est hyper confortable sur les routes dégradées, sur les pavés, et c'est une voiture qui est sécurisante, parce que voilà, on a toujours la puissance nécessaire et toujours un environnement, un confort de très très haute volume. Parlons budget tarif. Ce Bentayga est affiché à partir de 160 000 euros. Ok, ça reste une grosse somme. Non, par rapport aux concurrences de même classe, on est dans les normes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ses 82 grammes de rejet de CO2, elle passe en dessous du premier palier. Ça veut dire qu'on n'a pas de bonus, il ne faut pas exagérer non plus, mais il n'y a pas de malus, donc malus zéro. Finalement, ce qu'on pourrait mettre dans un malus avec une motorisation toute thermique, eh ben, va pouvoir passer dans des options. Celle-ci est quand même optionnée à hauteur de 45 000 euros, ça pique, je sais, mais c'est une Bentley. Finalement, c'est un choix qui est plutôt judicieux de se dire, entre un V8 et un hybride, ben, moi je choisirais plutôt la version hybride optionnée. Plutôt que de donner des sous à l'État, eh bien je vais les mettre dans ma voiture et je vais en profiter. Dernier point, la consommation. La consommation, eh bien, engagement tenu en fait. Grâce à l'hybridation, j'ai pu réaliser des moyennes de moins de 10 litres au 100. Ce qui est quand même intéressant. Là, j'étais tout à l'heure à 9,5 litres. Bon, sur un parcours stabilisé, pas l'autoroute, hein, de la nationale, mais j'étais à 9,5 grâce à ce petit moteur électrique, un petit 128 chevaux, qui va aider, encore une fois, le thermique, et qui va prendre le relais dans les phases d'accélération, dans les phases de relance. Donc pour moi, opération réussie pour le côté budget. Je sais, ça reste une énorme somme, mais ça s'adresse à des acheteurs de véhicules de luxe. Donc cette énorme somme pour eux, eh bien finalement, reste dans les normes. Et puis côté budget d'utilisation, là, par contre, un très bon point. Et depuis plusieurs jours, je me gratte la tête pour essayer de trouver une solution relativement simple. En fait, c'est l'utilisation qui va faire la consommation, comme beaucoup, sauf que là, il y a un paramètre en plus. Le paramètre en plus, c'est que vous pouvez soit l'utiliser en tout électrique, soit lui demander d'être le plus efficient possible, c'est-à-dire que de faire un mix entre l'électrique et le thermique, soit de préserver un maximum la batterie. En tout électrique, vous allez faire à peu près une quarantaine de kilomètres. Ça veut dire que si tous les jours vous prenez votre voiture pour faire moins de 40 kilomètres, et puis que bien sûr le soir vous la rebranchez, bah,
En fait, c'est-à-dire que tous les jours, vous consommez zéro. Enfin, vous consommez du kilowattheure. J'ai regardé, pour recharger la batterie, et ça coûte, ça dépend des bornes, hein, mais entre 2 et 3 euros. 2-3 euros pour faire 40 km, c'est quand même pas mal rentable par rapport au prix de l'essence. Là, sur l'essai que j'ai fait un parcours d'environ 150 km, j'étais à 4 litres. Et en plus, je vous le dis, hein, je suis mauvais en éco-conduite. Maintenant, si j'ai plus de batterie et que je l'utilise uniquement le V6 essence, et ben là, j'arrive à une consommation de 8,5 litres, ce qui n'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus parce que je vous rappelle que j'ai quand même 340 chevaux uniquement sur le thermique, plus 128 sur l'électrique. Et donc, si vous n'avez plus de batterie, ben vous utilisez les 340 chevaux du thermique. On a 2 tonnes 6 même. Et je trouve que 8,5 litres, c'est plutôt bon comme consommation. Donc j'espère que sur les bilans conso j'ai été assez clair. Moi je m'y perds un peu, j'avoue, mais moi au final ce que je retiens c'est que la solution hybride, bah, c'est quand même une super solution parce que quelque part c'est le meilleur de l'électrique et le meilleur du thermique parce que c'est pas mauvais. Bon, je vais arrêter de vous embrouiller. En tout cas, j'espère que vous avez pris toutes les informations que vous souhaitiez. Et si vous en voulez d'autres, bah, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude. C'est en bas que ça se passe, dans les commentaires. Voilà déjà, c'est l'heure du bilan, l'heure de la fin de l'essai. Et un bilan positif, vous allez me dire, je suis pas forcément objectif avec une Bentley, j'en ai essayé beaucoup. Donc pour moi, cette hybride rechargeable, c'est vraiment une excellente proposition dans la gamme Bentley. Et c'est aussi une excellente proposition, il faut le dire, face au V8 qui peut équiper le Bentayga et d'autres. Donc voilà pour moi cette conclusion, encore une fois, très positive. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment moins le Bentayga. À vous de me dire ce que vous, pour ce budget 160 000 euros, vous pouvez nous proposer, en termes de véhicules de luxe, hein, je parle. Hein. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en bas. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que c'est à l'auteur de Bentley de proposer de l'hybride ou pas? Eh bien, petite question, vous me répondez en bas. Je vous dis à bientôt. Vous n'oubliez pas un petit pouce, parce que ça fait plaisir. Et à bientôt, donc, pour d'autres nouvelles aventures. Ciao, les amis.